Et bonsoir. Ou et bonjour aussi, ça marche aussi. Yo. Yo yo yo. Salut Alta. Je suis là, mais pas vraiment là. Je dois farmer sur Pokéfion. Putain. Le type. Direct d'entrée, il me met ça. Putain. Ça donne envie, tiens. Qu'est-ce que tu dois farmer encore? Il n'y a même pas besoin de farmer dans Pokéfion. À part farmer les captures, à la rigueur. Mais sinon, jamais. Jamais. J'espère que ça va. Que le taf s'est bien passé. Ah, capture par farm. Je comprends mieux. Enfin, on va voir nous ce qu'on va faire. Parce que là, je vais être au terre... dans les terres sauvages, bah boum, direct, bouf. Ah, qu'est-ce que c'est moche. Mais ma foi, on s'y amuse. Alors, j'en suis à combien? Le Pokédex, alors. 75 capturés sur 123 vues, c'est pas mal quand même. Ça nous fait un gros 60% environ. C'est pas mal. Rose bouton et sébi. Ciribou. Entendu. Ah, t'es dans l'étendue sauvage. Bah, moi aussi. Putain, on pourrait presque faire des captures à deux, quoi. Extraordinaire. Alors, attends. Ce genre. Où en était mon équipe, là? Ok. Donc, lui, je sais pas si je vais le garder. Je pense que je vais le virer. Parce qu'il y a un ténèbre combat qui n'a pas de technique de combat encore, ça m'emmerde un peu. 37 vues, 29 captures, ah c'est pas mal. Ah mais je suis con, c'est vrai je peux faire... Merde non, je peux pas mettre en vélo. Je peux changer directement mes Pokéfions. Donc on va se prendre... Bikiguan il va sortir. Et qui, par qui va être remplacé? Je sais pas, merde. Donc là j'ai un, de toute façon là je vais avoir un double aussi. Parce que j'ai lui qui est électrique, mais seulement électrique. Mais j'aime bien son, il est stylé. Et lui qui est électrique, poison. Il a frotte frimousse aussi. Il peut être intéressant. Il aime faire le pitre. D'accord. Ah, peut-être que lui aussi va sauter. Je prends peut-être Toxizap. Du coup, il manquerait un feu. Skelenox, il est quoi lui déjà? Feu ténèbres? Ah non, il n'y a que spectre. Que spectre. Normal, sélection facile, multi-sélection. D'accord. Ok. Toi, t'es niveau 14. T'es quoi comme type? Sol psy. C'est intéressant. T'as que... Choc mental, astuce force, tombe roche, tour rapide. Huh. C'est pas mal quand même. Dunadja. Toi tu m'as l'air d'un Pokémon poison. Sol, ouais c'est vrai. Sol. Croquine. Pokémon plante seulement. Bon. Cabicroc. Insecte roche. Atatayad. Pas mal. Un peu vaniteux. Gentil de nature. Ah, c'est vrai qu'il y avait lui que je voulais prendre. Mais il est que combat.
c'est un peu emmerdant. Mais il a une bonne tête. Compliqué. Le fameux PoE mine. On peut pas trier les Pokémon par type. Si peut-être recherche. Merde. Type 1, voilà. Un Pokémon feu. Voilà. C'est bon, chercher. Mais non. Oh putain. J'ai ces deux là et j'ai Goupix. Mais Goupix, il a même pas une attaque de feu, je crois. T'as même pas un Flamèche. Ouais, c'est ça. Par Vive Attaque, y a pas grand chose. Et un Pokémon Psy. J'ai que le machin bizarre, c'est ça. Ah, j'ai Shidoritan. Kilbutoke, Bibichute. Et le Balbuto. Bibichute, ça pourrait peut-être être pas mal. Est-ce qu'il a une évolution? Parce qu'on a des Pokémon qui n'ont pas d'évolution, bon. Fuck. C'est Charby qui devient Vagomine, ok. Et qui a visiblement une autre évolution encore. Gripat qui devient Scolossandre. Stylé quand même. Ah c'est vrai, j'avais une Odulite. Ouais, je peux faire évoluer le paquet d'ex, tu vois. D'accord, c'est tout. Nul. Et lui qui m'intéressait, c'était quoi comme type? Vol dragon. Ça c'est quand j'aurai fini avec l'autre. Sauf qu'Hippo, j'avais pas réussi à l'avoir. Il doit avoir une évolution, lui. Ouais, je sais pas trop. Et salut Forgelune, comment que tu vas? Merde, oui, c'est ça que je voulais faire. Les boîtes, les beaux boîtes. Prendre ouais, j'hésite, je suis hésitant. L'hésitance, t'as quoi toi comme attaque? Est-ce que t'as un choc mental? T'as une bonne défense aussi, t'es pas rapide, mais t'as une bonne défense. Ah, t'as Rafale Psy, la vache. Vas-y. Fontaine de vie, ouais. Ok. Ouais, pourquoi pas. Allez, viens. Donc là, ce qu'on fait, Forgelune, c'est qu'on va
pour l'instant essayer de choper des Pokéfions qu'on n'a pas. Alors, l'air v'là, là. Ok. Wow. Vas-y. Câlin. Câlin de l'ours. Chelours. En effet, il est très chelou. Chope un autre bonnet aussi. Ouais, c'est vrai, tiens. Faudrait que j'aille acheter un bonnet, tiens. Très bonne idée. Putain, 34. Ça pue. C'est pas peur à encaisser. Moi, je veux juste te paralyser, voilà, tu te démerdes. Alors ensuite, on va faire venir. Badabouin. On va essayer de faire du grincement pour lui faire le plus mal possible. C'est vrai, j'y pense même plus au bonnet du gosse, putain. Faut que je le vire. C'est l'enfer. C'est la défense qui baisse beaucoup. Très bien. Je pense que j'ai besoin de le faire 3 fois pour la baisser à fond. En force, tu peux utiliser force. Putain, la vache. Ok. Comment ça a été la journée, Forgeline? Qu'est-ce que tu nous as fait de beau? Gigotage. Ok. Souplesse. Ça fait combien ça? Vas-y, on va faire une petite souplesse. Bing. Matinée merdique au boulot. Ah. C'est ce qu'on aime. Plus ou moins. Critique. Ok. Faire un petit trancherbe. Merde. Putain. Même défense est chaud. Potion. Direct. Ouf. Ah putain, il a pas pu faire ce truc, parfait. Le super ball, vas-y go. On va essayer de capturer Captain Grenounours. Ah bah voilà. Premier coup. Un Toxizap 1600. Ah d'accord, en fait. Plus il a d'écart, plus il va prendre de points d'XP. Pourquoi pas. Normal combat. Biscotto. Dans la boîte, on s'en fout. Alors, hop, go. Ouais. C'est où pour se soigner? C'est là-bas. Go. Pouit. Pomme juteuse. Ah bah, il y a l'autre. Vas-y. Pandarbar. Est-ce que je joue en ligne? Je crois pas, non. J'en sais rien. Car en parlant au mec que tu croises, il te file des trucs. C'est-à-dire. Je suis mort. Ouais, c'était obligé. Perles, potions et autres. Ouais, mais je vois pas à qui tu parles en fait, à qui tu veux parler. Tu veux dire dans la zone étendue?
Ah oui, moi aussi j'ai parlé un petit peu, mais je m'en fous. Mais ouais, tu dois pouvoir jouer en ligne, mais je crois que si tu joues en ligne sur le jeu, ça te coupe le truc sur la console. Il y a une connerie comme ça, j'ai vu ça tout à l'heure. Ou hier, je sais plus. Morsure. De la merde. Je vais te dire ça, j'ai changé le mode après. Ah, tu fais moins le malin là. Cette balayette de l'enfer. Il met un coup de pied, mais il m'enlève 85 points. Mais... normal. C'est pas malin, Carzo. Non, c'est pas malin. Qu'est-ce qu'il y a comme jeu à streamer en ce moment? Un petit Forge Lune. Si, il y a le Star Wars, là, visiblement, qui a l'air cool. Bon, après, moi... ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, hein, mais... why not? Ouais, c'est un... ça serait pas un... comment il s'appelait lui? Ah si, je l'aime bien celui. Je sais même pas, je t'avoue que j'ai les sorties en ce moment sur PC. Je suis totalement à la ramasse. Hein. Ah merde, c'est vrai, il fallait que je change. Zap, vas-y, Bibi chute. Happy Feuille. Mais t'as refait du stream de Stellaris dernièrement parce que je te vois pas en stream le soir. Sinon d'habitude je viens mais là je te vois pas. Bah. C'est-à-dire c'était vers quelle heure? Parce que moi je regarde généralement à partir de, du moment où je suis dans le bus, donc vers 18h40 en gros. Putain, ça l'affecte pas? Et je vais l'attaquer avec quoi? Ça? Ah ouais, donc je t'ai pas vu en stream du coup. Mais comment ça il est pas sensible aux attaques psy, ça c'est quoi ce bordel? Ouais, c'est pour ça que je t'ai pas vu je t'ai pas vu stream. Ah direct, ouais, nickel. Donc ouais en jeu là en ce moment. De ténèbres. Ah c'est ténèbres, bah oui. J'aurais dû l'appeler Zoro, tiens. En jeu PC. Ah bah voilà. Je m'en fous de ton truc, casse-toi. Bah ouais mais c'est l'effet que j'ai aussi forgé, c'est que je vois pas quand tu stream, alors je sais pas ce qui se passe. Est-ce que c'est Twitch qui bug? J'en sais rien parce que j'ai vu Yami streamer donc je suis allé voir. Oh, c'est quoi ce truc? Ouais mais ça m'étonne. Et du coup ça m'étonnait que j'ai pas que j'ai eu personne quoi. Enfin que toi je t'ai pas vu. Après peut-être 19h j'étais un peu just au niveau du temps mais mais ça m'étonne quand même.
Bon, Nick. Ma carte. Après, je te dirais qu'en ce moment, même à gros jeu, il n'y a pas grand monde. Hein. Enfin, pour nous, petits streamers, même moi avec Pokéfion, là, en ce moment, ça attire pas fou. Là. Bah, tout le monde est chez les gros streamers, surtout. Donc, c'est un peu triste. Mais c'est comme ça. Pour moi, du moment que vous êtes là, ça va. Enfin, comme j'ai déjà dit, hein, ça me changerait pas des masses finalement de streamer pour personne que de streamer pour 400 personnes, vu que je jouerai de toute manière. Mais voilà, tant que j'ai les meilleurs, c'est bon, moi ça passe. Du coup, c'était ta partie, t'es un peu chiant à regarder. Ouais. Ah, après, c'est pareil. Hein, ce sont des jeux qui sont pas... C'est compliqué à streamer ce genre de jeu. C'est extrêmement difficile. T'es qui toi? D'accord, vas-y, combat. Un batrachné. Oh putain, d'accord, c'est des points d'acné. 28, ok. Je sais pas moi. Qu'est-ce qui te plairait à... Putain, il m'a défoncé. Putain, ça l'affecte. Allez, blasé. J'en peux plus. Tu m'étonnes. Plein de planètes à gérer et des vaisseaux plein de bases, ouais. Mais c'est toujours dur de les streamer, tous ces jeux-là. C'est fou. Il faut qu'il y ait un public pour regarder ça. Je suis pas sûr que Twitch soit le plus à même pour ça. Qu'est-ce que monsieur Forgeune pourrait streamer? Merde, non. Allez, go. C'est bon. On dirait Terraria. Terraria, putain. Ça existe encore, Terraria. Je dis ça, mais j'ai mon petit frère qui était un fou furieux de Terraria. Il doit avoir plus de 1500 heures, je crois, sur le jeu, donc il l'a retourné dans tous les sens. J'ai le jeu, t'as joué 2 heures. T'es quoi, toi, machin de merde? Ah, il y a un Granipio. Toi, c'est quoi, toi, comme truc? Ah bah, en blanc, rose bouton. Merde, je l'ai pas soigné. Oh non, putain, pas Grimdo, non. Grimdo, c'est l'infini. Évidemment, pourquoi? J'ai vu niveau 9 juste après. Putain. Bah, joue à PAO alors. Pourquoi tu jouerais pas? Manager, non, ça je... Ça c'est pour moi. Ça a tellement changé. De toute façon, tout change, donc de toute manière... C'est compliqué. Je vais plutôt prendre de machin... Baby chute, là. Granipio. Je sais pas, t'as pas des jeux comme Hollow Knight
enfin des jeux qui se terminent, donc c'est intéressant de suivre l'évolution, puis ça se fait encore, je pense en une dizaine de streams c'est terminé quoi. 40, vas-y go. Cyclisme manager, ah. Et pourquoi pas. Après en général ils sont pas très très bons les jeux de management cycliste, enfin les pro cycling management et tout, c'est pas ouf malheureusement. Pro BTP Simulator, ah bah voilà un Pokémon gland. Ah merde, il y avait un rose bouton là. Putain, merde. Là. Je vais le tuer d'un coup, non? Non, non, même pas. En plus, c'est un critique, très bien. Vol vie, parfait, je pourrais le refaire. Après tu peux faire un hack and slash en attendant la sortie de PO2, mais bon ça va être un peu long. C'est dans longtemps. Mais oh, putain. Quand t'as chaque fois de touche. Ouais, faire un Grim Dawn, un Titan Quest, un Sacred 2. D'ailleurs j'avais réussi à refaire marcher Sacred. Et en fait, je comprends rien. C'est terrible. Vibre à soin. Une aura de bien-être fait récupérer la moitié de ses PV max à la cible. J'enlève les fontaines de vie. C'est pas mal. Rose bouton mis à jour. T'as eu un Evoli gratos, sérieux? Comment t'as fait? Ok, manager 6. Ça manque d'un NHL pro ou un truc comme ça, tu vois. On se marrait bien avec ça. Oh! Un Léviator, putain. Merde, putain, on le voit plus. Nickel. J'avais une... Ah, t'avais une save, bah oui. Oui, il y a un perso qui dans une gare qui te file un Evoli et un Pikachu, si t'as Let's Go Pikachu. Bah GG. Un haut sol. Ouais, non. Moi je capturais les golems là-haut. Et pas les golas, non non, les golems. Oh putain, c'est toujours pas l'heure. Oh chier, putain. Niquez-vous. Bien. Un axoloto. Bon, je m'en fous, j'ai déjà. On se barre. Ah, Marest. Non, merci. Krabi, on vole déjà. Baseball Major 2020, il y a des centaines de tableaux à stats à l'américaine. Ouais, putain.
Ah mais après c'est pas parce qu'il y a des stats que c'est forcément un bon jeu, tu vois. Tout n'est pas Football Manager, quoi. Parce qu'il y en a eu des jeux de merde comme ça. Vas-y, on va foutre des stats de partout. Putain, les gars, ils mettaient des stats pour mettre des stats, hein. C'était pas glorieux. Du coup, ça voulait rien dire. Évidemment. Bon, pourtant, c'est pas dur. Hein. Enfin, c'est pareil, c'est pas dur. Hein. J'y joue depuis 20 ans, donc oui, forcément que c'est pas dur. Mais. Ah merde, c'est encore ce machin là, putain. Je m'en fous, j'étais déjà. C'est pas très dur, mais faut aimer le foot, quoi. Faut comprendre la logique foot. Après, c'est pas très dur. En fait, faut être logique, c'est tout. Après, le jeu n'est pas forcément logique avec toi. Ni même gentil ou sympa. Et moi, je Xatu là, putain. Chier. Je peux pas l'avoir. Le truc de baseball, c'est le jeu officiel de la ligue de baseball, ouais. Je sais pas trop ce que ça vaut les trucs officiels. Enfin, j'y connais rien, donc. Je sais pas trop. J'aurais du mal à m'engager vers un truc comme ça, quoi. Sûr que ça a coûté quand même une petite blinde. Oh, c'est quoi ça? Bordel de Dieu. Une putain d'araignée. Un mégavolt. Il a l'air très fort. Merde. Il est tout trop mort. Ah, il est 46, oui, non, bah faut que je me barre là. Putain. Oh, bon, il est mort. Putain. Cassos. Cassos. Évidemment. Putain. Non, putain, je suis un Poké Camping. Bon, on va faire la cuisine. Ah, j'ai un curry d'ex aussi. Pommes juteuses, oui. Et des baies au rang. Voilà. C'est prêt. Je suis tombé sur un level 36, je suis level 13. Et en plus, il a fait destruction. J'ai gagné plein d'XP. Merde. Ok. Putain. Cet enfer. Je me touche la nouille. Vivement des streams de Cooking Mama. Hein. Voilà. Ça a l'air dégueulasse. Ah. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Curry au pomme. Waouh. Paf, paf. Et ça défonce, hein. Attention. Ah, ça a l'air super bon. Putain. Mais il y en a un qui a annoncé un sur Switch. Hein. Go approuvé par Crémy. Je crois qu'il y en a un pour 2020. Il me semble. Hein. Si je dis pas de conneries. Et là, j'ai dit une connerie. Ah, mais ça les a tous soignés. Ouais, GG. C'est cool, ça. Putain, mais je veux pas de machoc, moi, putain.
Écoutez vos machocs. Salut toi. D'accord mon gars. Mais je m'en fous. Toi t'es vénère. Tire à voir Alta, mais je crois que c'est 2020. Krabos, Dépifeuille. Des crabis. Ah non, des écrepins, je crois. Ouais, je l'ai pas là. Écrapins, pardon. Niveau 15. Ah mais j'ai laissé la musique en fait. Lol. Ok. J'avais zappé. Hop. Et qu'est-ce que j'ai branlé, putain. Putain, j'attaque direct. Mais quel con. Mais putain. D'ailleurs, j'ai pas vu du stream non plus ce soir. Trop de pokéfions d'un coup. Bon, faut qu'on se réunisse pour trouver un jeu pour Forge Lune. Ça va pas. Et les jeux style Everspace, des trucs comme ça. Rogue Galaxy. Non, c'est pas Rogue Galaxy. C'est comment? Je sais plus. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Mais Everspace, ça peut être cool. Un truc dans l'espace, bon. Oh putain, merde, Krabi. Nique ta mère, Krabi. Enfin, des jeux que tu possèdes, quoi. Va pas acheter des jeux pour les streamer, hein. Ça serait la plus grosse connerie à faire, tiens. Un colomar. J'aime bien la tête qu'il a. Oh merde. 31. Une petite travail psy là. Putain, coup double. Prends-toi une rafale psy dans la gueule. Ça ne l'affecte pas, évidemment. Toxizap. Go. En fait, faudrait que tu dégages déjà des jeux que t'aimerais faire, que tu possèdes, que t'as pas encore fait. Ok, vas-y, rentre chez toi, putain. J'en ai ras le cul. Wow. Fred Freemus, yep. Ouais, faire une liste de jeux que tu as, mais auxquels t'as pas joué, ou pas joué depuis longtemps. Putain, mais c'est abusé, quoi. C'est quoi ces dégâts de porc? On va se paralyser du con. Hop. Finalement.
Genre il est plus rapide. Putain. Ouais, on va te faire foutre. Ensuite Pokéball. On bourre la Pokéball. D'accord. Ma foi. Tététin. Aux ténèbres, d'accord. Quel coin là, ok. Faudrait que je parte sur là. Ah ouais, ici j'ai pas été voir, non, c'est ça. Siège du géant, ok. Et j'ai pas été au centre non plus, mais ça c'est logique. Merde, je pensais qu'on pouvait se TP direct. Mais non. Peu importe. Mais je trouve d'avoir mis les plaines verdoyantes tôt dans le jeu, c'est bien. Comme ça, tu peux vraiment avoir une équipe. Si tu cherches un petit peu, tu peux avoir un peu de tout, quoi. C'est pas con. Descendre là-bas. Une Pokéball du fion. Ah oui, merde, fallait que je passe en mode machin là. Mode sans fil local, voilà. Faut que je me connecte à internet. Je crois que c'est ça. Hein. Ok, c'est ça. Recevoir des stickers. J'ai fait un échange magique, je demande quel Pokémon je vais recevoir. C'est vrai qu'on pourrait faire un échange magique. Est-ce que... Est-ce que j'envoie mon... Mon Chidoritan comme ça? Ou est-ce qu'on va envoyer dans l'espace le Pacastor? C'est... Ouais. Ou God Michel, je sais pas. Pour envoyer Plextorm, Plextorm dans l'espace. Vas-y. On envoie Plextorm. Qu'est-ce qu'on va recevoir en échange? Recherche d'un partenaire en cours. Et là, ça plante. Magnifique. Là, t'as le temps d'aller voir ton fil Twitter. Ouais, tu devrais faire ça, Forgeune, faire sur ton Discord une liste des jeux que tu possèdes et auxquels tu te vois jouer, que tu as envie de faire,
Et puis on voit ce qu'on peut faire. Ça serait cool, je pense. Bon, c'est long là. Putain, tout ça pour recevoir un Pokéfion du cul. Pour recevoir un vieux Magikarp dégueulasse. Ah d'accord. Il fallait que j'appuie, putain. Putain, mais... Mais lol. Ah! Toi, tu veux faire la course? Vas-y, toi, je te démonte. Un match chopper. Bref, match chopper, flemme. Échange effectué. Ah. Qu'est-ce que j'ai gagné? Attention. Au revoir, Plexstorm. Au revoir. Au revoir. Oh, j'ai un nouveau Pokémon. Cool. Je le connais pas. Il a envoyé tranquille. Et prends bien soin de Plexstorm. Merci bien. Colombo. Ah, ça va être la... Oui, d'accord. C'est l'évolution de Pigeon, là. De Fallout 76. Ok, cool. C'est vrai que j'ai mis ma gueule de facteur. Parfait. Ah, on peut échanger sa carte. Ouais, ça je m'en fous par contre. T'as par contre ça rame dès que tu joues en multi. Hein. Putain. Ouah, c'est quoi ce Pokéfion? Salut. L'interface de tes jeux sur Steam, c'est de la merde. Oui, je confirme, j'aime pas trop non plus. On croirait un Google machin. Ah merde, 38. 38, c'est un peu fort quand même. 38, je vais me faire défoncer le fion. Racine énergie, ok. Good evening, j'ai trouvé ça dans ma poche. Un pot d'épices. Ok. Bonjour, comment ce truc a atterri là. D'accord. Ma vie, mon œuvre. Alors t'es qui toi? Une archéomie. Y. Putain, 36. Badabouin. On dirait que je vais faire plus con que l'interface Xbox. Je la connais pas, l'interface Xbox. Donc je pourrais pas dire. Mais je trouve ça pas terrible. L'interface Steam, enfin en tout cas la nouvelle. Bing. Aucun dégât. Tac le lourd. Oh, bon, il va me le tuer. Ouais, bon, ça sert à rien. Ils sont un peu forts ici. Good evening. Une boîte de haricots. Super. Il y a des gens là. Un paquet de légumes. Putain, il y a que des trucs pour faire de la cuisine. Quoi. Putain. Sachet de pain de mie. Un truc enterré. Putain, ça donne envie. Il y a un item là. Des restes. Ça c'est sympa en PVP.
un pot de nouilles. Buenas noches, ok. Je sens qu'ils ont défoncé le fion. Ça reste du cœur, un plat de nouilles, du pain de mie, des lentilles. Ouais, c'est un peu ça. Plante acier, vas-y. Combat plusieurs. Ah oui, mais pas avec lui. Plante, c'est quoi? Plante acier. Plante acier. J'ai bah mon bleuzeil, vas-y. Tiens, prends ça, c'est tombé du ciel, j'avoue. Le mec, paquet de saucisses. J'adore, moi. C'est tellement con. Tiens, prends ça, je l'ai déterré. Hop, le petit Grégory, super. Cette blague ne parlera peut-être pas à tout le monde. Bon, vas-y, go. Sinon, on va attendre 3 heures pour faire un putain de combat. Putain. Je trouve ça trop con. Tiens, j'ai trouvé... Je suis entouré des chips. Elle était sale, bah évidemment. Il y en a une comme ça qui est sale aussi, c'est... Tu sais ce que c'est un sac poubelle... Un sac poubelle en Guinée. C'est le petit Grégory en voyage. Voilà. Tout le plaisir est pour moi. C'est horrible. C'est vraiment horrible. Bon allez, c'est bon. Hop. Ouais, ouais, c'est bon, ils viendront quand ils auront le temps. Aïe, aïe, aïe. Aïe. Carzo blague. Carzo lol. Normal. Oh non, putain, pas lui. J'avais oublié, putain. Oh, j'avais tellement oublié. Ah ouais, non, je crois que ça sert à rien de faire ça. Faire arrogance, on va voir. Putain, ça lui a rien fait. Génial. Ça chie de partout, super efficace. Lance-flamme. Ok. Oui, moins fort que l'autre, à mon avis. Et je peux attaquer aussi ou. Où je vais me faire mettre. Merci de m'avoir soigné. Non, je crois que j'ai pas le droit d'attaquer. C'est terminé. Oui, lançons une Pokéball, vite. Super Ball. Brûlé, poué, poué, poué. Capture, machin dur. Je pense que c'est pas l'évolution de Granipio. J'ai un doute. La boule disco. La boule disco.
Et bah voilà. C'est toujours ça de prix. Voilà. Alors, tacle lourd, poussière étoile et plein de baies, des bonbons, bonbons Dynamax aussi, très bien. Hop, dans la boîte. Du coup, je sais pas quel level il a. Bing. Putain, vite, hein, mec. Donne-moi des saucisses, putain. Donne tes saucisses, putain. Le truc était à moitié enterré dans le sol, attention. Un sachet de pain de mie. Du pain jaquet. Qui a 38 ans. Waouh. Salut, Bélier. Une perle. Génial. Bien. Carson. Voilà, un petit pot de nouilles. Parfait. Je sais pas si les gens ils font pareil que moi, ils me courent après. J'espère pas. Putain, y'a un mec en vélo. Merde, je l'ai loupé. Putain, un autre. Valou. Ah, ça c'est un FR. Valou, c'est un peu un... Ouais, c'est un petit geek. Comment dire, il a mis un beau pull, un beau pantalon que personne n'oserait mettre. Terminé. Oh putain, des cyclistes. Gutaban. Putain, des Allemands qui me filent des steaks hachés, je suis pas sûr. Hein. Findus, c'est pas des Allemands. Pierre Foudre, tiens. Merde, putain. Je me suis fait eu. Non, la moufette, je l'ai déjà eu. En velours côtelé. Eh oui. Buenas noches. T'es kilo les pots de nouilles. Non. Putain. Putain, je vais faire que ça, c'est l'enfer. Je suis désolé. Ouais, j'ai trouvé un nouveau jeu, hein. C'est la faute d'Alta. Non, mais moi je. C'est à l'autre que je parle. Putain, tellement de gens. M8. Un sachet de pain de mie. Mais attention, c'est vieux de 3 jours. C'était caché. Putain, ça traînait par terre et tu ramasses un steak caché, toi. Putain, t'es. C'est un peu la vie hardcore en fait, Pokémon. Putain, je roule sur un chat. Un chat crippant. J'ai compris Eric qui grêlait. Oh, 27. Super efficace. Tourmente. Ok, tu me vénères. Le mec insolent, il lance des Pokéballs sur des Pokémon en raid. Le pire. Sur tes propres Pokémon. Pour faire chier le monde. Bah ouais, mais qu'est-ce que je fasse pour ça. Non, mais non. Oh là, je fais n'importe. Je fais n'importe. Putain, il va me tuer en plus.
Je vais me prendre 4 points de dégâts, c'est mort. Le PV. Chakriban, c'est ton Pokémon, sérieux. Il est sympa, hein, mais je préfère Mewtwo. Froid de Frimousse, hop, comme ça, ça va le calmer. Bouit, bouit, bouit. J'ai hâte de voir l'évolution de lui, là, celui que j'ai. En fait, il y a plein de Pokémon stylés, mais ils sont... c'est des Pokémon normaux. Oh putain, mais genre... C'est type normaux et c'est un peu chiant. Tu fais bourrer le cul après. Putain, faut que je me soigne. Fraîche. Putain, mais je suis en train de voir, mais je l'ai même pas paralysé. Merde. Acide, hop. Oh putain, ça fait tellement mal. Putain, je l'ai pas buté quoi. Putain, mais genre, je peux pas attaquer. Ok, ça. Putain. Donne-moi ton pain de mie, bordel, non? Bon. Voyons. On va aller de l'autre côté. Les berges. Putain, un ronflex direct. Je me tâte. Ronflex. Ornotte Ronflex. Quel level? Il a l'air très fort. Donc il a l'air où je vais me prendre la sauce quoi. 36. Je peux le parler, ça serait déjà pas mal. C'est bon. Ouais, bon. Ça vaut pas le coup. Ça ne sert à rien. Carte. On va les soigner. Ah oui, tout à l'heure Forgeon il voulait que j'achète un autre chapeau. Je vais trouver un chapeau alors. Descends de ton vélo parce que tu me saoules. On va aller. On va voir. On va voir où est-ce qu'on va aller. Choper ça. Hmm. Ah, ici il y a un magasin de vêtements, mais il y en a peut-être ailleurs qui sont sympas aussi. Là-bas. Visiblement non. Restaurant Gare Stade. Non, il n'y a que là des vêtements. Bon. On va aller voir ce qu'il y a comme vêtements, je m'en souviens plus. Là t'as quoi? Ah oui, il y a un café ici. Donc lui ils vont les CT visiblement. Ah les vêtements. Voilà Crazy République. Alors. J'ai la casquette de sport. Qu'est-ce que t'en penses
Forge lune. Est-ce que c'est mieux que le bonnet? $2900, ça va. C'est pas trop. Peut-être mieux que le bonnet. Je vais voir s'il y a autre chose. C'est déjà mieux. D'accord. Merde, je crois que c'est un barbier ça. Enfin le. Pas un barbier. Hein. Un coiffeur. Voyons voir, il y a peut-être autre chose. Non. Bon, on va chercher la casquette alors. Puis on verra peut-être dans la nouvelle ville, il y aura autre chose. La casquette. Ah oui, on met la casquette. Est-ce que tu as autre chose qui te choque, Forge Lune? On ne sait jamais. Jean tendance. Le petit blazer. Ouais, avec le petit air, c'est pas mal aussi. Non, bon. Alors on se bat. Voilà, hop, c'est bon, j'ai une petite casquette. On est bien. Hop. Carte. Pam 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 pam. Bon, je fais un dernier tour là-bas pour voir s'il y a mes petits robots là. J'aimerais vraiment les prendre. Mais j'ai l'impression qu'ils ont décidé qu'il ferait nuit pendant 20 ans ici. Putain, c'est mort. Oh, il y a un Fantominus. Yes, Fantominus. Ça me rappelle tellement l'épisode de Pokémon, ça. Fantominus, putain. Ping. Paralysé. On va essayer une Pokéfion lol. Puit. Puit. Et voilà un petit Fantominus. GG Toxizap. Hop là. Les corps. Ah, un spectre poison maintenant. Il est poison aussi. Le corps de ce Pokémon s'est formé à partir de gaz si toxique qu'il pourrait faire perdre connaissance à n'importe qui. D'accord. C'est cool. Et moi je veux le petit robot moi. Merde putain. On a un petit spectrum ici. Je me fais aggro. Un Skelenox. Bah putain, c'est à calmer. Non, pan de folie. Pas content. J'aurais pu faire morsure, putain. Allez. Putain.
envoie ta morsure, bordel. Ah voilà. Terminé. Putain, ça dégage. Bon, allez, go. On va au pont. Bon, lui, je le fuis. Hein. La flemme. Belle baisse quand même. Un petit paquet de nouilles, un peu d'épices. C'est déjà bien. Il y avait un gros sac poubelle, je crois. C'est quoi ce truc? C'est horrible. Ball. 5 plein de watts. Ah, un machin avec des poutres. Je crois qu'ici j'en ai pas eu beaucoup. Ah bah, un bleuzeil, ok. Wow. Poète de polem. Et puis je suis de 26. Bon, toi je t'ai déjà eu. C'est un mouton ça? J'ai l'impression. Toi je t'ai pas eu par contre. Un rapion. Ok. 28. On va être paralysé déjà. As usual. Sapotage. Capturé avec une putain de Pokéball. Pouit. Pouim. Et voilà, un de plus. Alors, poison insecte. Ils s'enfouissent dans le sable et attend patiemment ses proies. Il a des ancêtres en commun avec Gripat. D'accord. Gripat, le Pokémon feu, quoi. Ça marche. Ta bande, c'est l'enfer avec tout le monde, là. Donne-moi des nouilles. Merde, il veut pas. Oh. C'est quoi ce Pokéfion? Un Cryptero. Merde, il a l'air fort. Chien. 36. Ah ouais. Trop fort. Trop fort pour le moment. Enfin, le badge de Kickenham. Pierre feu, ok. Il file quand même masse d'items, putain.
par contre, je vais virer mode local. Hop. Merci. J'ai pas envie que ça rame. Une racine énergie. Une super drôle. Toi, tu vas me défoncer. Ah, un item. Façade. Une attaque en puissance double lorsque le lanceur en pose. Ah oui, d'accord. Défaite. Bon, là, il y a DB, mais je m'en fous. Un truc là. Bon, c'est un caillou, d'accord. Merci Carzo. Putain. Ça c'est le truc dégueulasse là. Non merci. Bon, comment ça se fait qu'il y a encore les trous ducs là en vélo? Putain, j'ai toujours pas sauvegardé depuis tout à l'heure. Ça aurait été terrible. Un tubercule. Un gros truc. Merde, putain de zigzaton, comme d'hab. Zigzaton. What neuf. Ça m'intéresse pas. Par contre, je vais peut-être me soigner. Merde. C'est quoi ce truc? D'accord. C'est une espèce d'abra, non? Il se tp. On se tape? Vas-y, on se tape. Netram, il a l'air très fort. Ça veut dire... ...42. Comment te dire qu'en effet c'est un peu fort. Pourquoi il y a des musiques celtiques dans Pokémon? Et d'un coup, la cornemuse. Waouh. Ça, c'est le Pokémon que je voulais, là, le vol machin. Ouais, non, mais toi, tu vas me défoncer, c'est ça. C'est ce que tu veux me dire. Mais je te défoncerai, mais avec toi-même, avec ton cousin. Voilà. Et une baraque là-bas. Elle est plutôt stylée la musique d'ici là. Enfin, j'aime bien, ça passe bien.
c'est la garderie, d'accord, ok. Bien. Changer ma tenue de vélo, ouais, parce que j'ai l'impression de porter un pyjama. Ouais, en fait, c'est encore pire. Bon, tant pis. Je vais faire avec. Une tenue de Nantais jeune canari. Bah exactement. Bah ça tombe bien, je suis de Nantes, donc enfin je vis à Nantes. Donc voilà. Ah, il y a un petit robot. Là, c'est lui que je veux. Il est stylé, un gringolem. Pas y arriver. Mâchouille. À la place de morsure, ce serait bien. Nickel, un golem. Putain, je suis deg. Fuck you. Putain. Je suis vénère. Je voulais mon gringolem. On va mettre je sais même pas qui mettre. Bibi chute en premier. Non, casse-toi des bugants, hein, c'est bon. Rentre chez ta mère. Putain. Putain, barre-toi zigzaton aussi. Non. Putain, il va gringoler le bordel. Putain, évidemment je peux en retrouver un seul. Putain. Putain la baise. Putain. Oh là. Non, toi je te chope. Il y a zéro. Bah attends, il est méchamment style le gringolem. Putain, 28 par contre, fais chier. Mur de fer. Tiens, prends-toi une rafale psy dans la gueule. Et t'es confus, très bien. Tape-toi. Non, GG. On va commencer à le... Très bien. Mais te tape pas trop parce que sinon tu vas mourir. Je ne veux pas que tu meurs de décès. Yes! J'ai mon gringolem, tiens. Nique-toi le Taji 51. Le mec, toute sa frustration, tu sais. Ce Pokémon 35 a été façonné avec de l'argile. On ne sait
Pourquoi certains spécimens n'ont de cesse d'aligner de grosses pierres? Ah, je sais du coup comment je vais l'appeler. Génique. Je vais l'appeler Nicaltagi. Voilà. GG. Parfait. Voilà. Nick. Ah merde! Ça met Nicaltage 51. J'ai même pas réussi à recopier ton pseudo correctement. Putain, j'en ai marre. Ah mais je sais ce que je vais faire, tu vois. Juste pour te faire chier. Capturer cette merde et je vais l'appeler Altagi. Ah bah oui, un Ninjask. C'était stylé, Ninjask. Ça venait d'où ça, Ninjask? C'est deuxième gen, non? Envoie-le en échange magique. Oh grave. Ah mais faut que je retrouve un. Ah non. Faut d'abord que je retrouve un Gringolem. Tellement bien. Tellement des idées de merde. C'est ça qu'on aime. Genre, tu t'es pris pour Jean-Louis David. Jean-Louis David Copperfield. En plus. Putain. Belle baise. Allez, Toxizap. Défonce-le. Tiens, fais-lui un frotte frimousse. Oh merde, putain, ça va peut-être le tuer vu que ça doit être un vol. Non, c'est bon. Et voilà, hop, Ninjask, c'est bon. Bon, faut que je retrouve un golem, putain. Putain, il y en a un là. Juste devant un golem. Un 30, ok. Mâchouille. Mais putain! Je vais jamais y arriver, putain. Bon. Mais non, putain.
On va prendre quelqu'un d'autre. Tu feras Picor, et puis voilà. Alors, Tubeman en avant. Je vais avoir dépeuplé tous les putains de golems. Putain, c'est pas possible. Fais chier. Putain, c'est ouf. Non, non, pas toi. Laissez-moi tranquille. Putain, il y en a un là. J'ai pas envie de tuer. Donc on va envoyer Toxizap. Toxizap c'est pas mal. Avec acide pas très efficace, ça va être bon. Ça devrait. Ouais, faut que j'arrive à attaquer aussi quoi. C'est pas gagné. Normal. Bon, bibi machin, hop. Alors. C'est vrai que ça faisait pas si mal. Faut que je prenne Raphaël Psy. Non mais tu sous ma gueule là. Putain. Lui fait pas un coup critique putain. Il va me le buter, fait chier. Putain. J'ai failli fuir. Hein. J'ai failli faire cette connerie. Putain. Ah j'aurais dû prendre une Honor Ball, putain, merde. Non, rentre, reste pas dedans. Oh, c'est bon. Oui. Alors.
Nick. Al. Ta. J. Voilà. Sinon, je peux faire aussi Nick comme ça. J'ai l'habitude de mettre comme ça. Nick Alta J 51. Voilà. Comme ça, c'est bien. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu es fier fier de ce pseudo? Je pense que je serais très heureux de t'avoir dans ma team. Je pense que là on est au top là. C'est mieux. Ah. Ça fait Jones. Parfait. Pour un faux Jones. Parce que Alta c'est un faux Jones en fait. Alors, attends. Alors du coup, on va se refoutre. Non, comment faut faire déjà? C'est compliqué tous ces jeux avec plein de boutons. Alors, connexion internet. Et là on va envoyer Nick Altagi. Altag. 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 Nick Altag. Alors. Nick Altag 51, c'est ça? Ouais. Allez, dégage. Voilà. Allez, c'est parti. C'est quoi, c'est les débutants ça? Non, des matchocs. Tiens, donne-moi des. Voilà. T'as trouvé un truc stylé, des paquets de saucisses. C'est tellement stylé, des paquets de saucisses. Des paquets Herta. La bonne saucisse allemande. Toi t'es vénère toi. Échange effectué, attention, un Pokémon Knacky. Ah, on recherche toujours le Pokémon Caster, hein, mais bon. Bon, voyons ce qu'on va recevoir. Au revoir Nick Altage 51. Bye bye. Nique toi. Oh putain, un vieux simulard, putain je m'en fous. Putain je l'ai déjà. Sudowoodo. Sudowoodo. Je suis un peu triste, hein, putain. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'aurais des Pokémon de merde aux gens. Un paquet de légumes tombé du ciel. Merci Picard. Super Bowl. Jazz que je l'ai. Menace no chest, non mais je m'en fous, putain, je fais juste le truc. Ouais. Lui est trop fort. C'est quoi ce machin? C'est caché. Ça sert d'être de la prochaine arène, non? Ça me paraît un peu gros. Par contre, c'est vraiment immense les terres sauvages quand même. Sauvage. Je pensais pas que ça serait si grand. C'est marrant, on peut s'envoler ici par contre. Okay. True Brothers, putain.
T'as les mecs, ils ont dû tellement bourrer à aller tout droit. Ah, t'imagines, ça fait 1h45 que je live, ça fait 1h45 que je suis dans la prairie en train d'essayer de choper des pokéfions, quoi. Ah, c'est quoi ça? Oh putain, c'est dégueulasse. Un polarum. Ok. Ah, Y. 42. Ah oui, bah je me barre. Vous êtes un peu fort, monsieur. Oh, un Stélix. Stylé. Stylé. Non. Merde, putain. Ok. Ah, Farfuret, c'était plutôt pas mal ça, hein. Il me semble. Ouais, bon, 44. Merde, j'ai pas réussi à fuir, il va crever mon Pokéfion. Ça serait bien qu'on se casse. C'est quand même rien. On va se heal. Au sentier de la gare. Ok. Je vais quand même m'envoler directement là-bas. Hop. Je suis pas sûr d'aller dans le bon sens. Ouais. Plutôt par là. Non, mais les mecs, ils ont rien exploré. En... Les mecs, ils ont bourré le jeu et c'est tout, quoi. Ouais, j'ai fini le jeu, j'avais 25 Pokémon. Ouais, super. C'est fort. Oh, un Rhinophéros. Non, un Rhinocorne. Je sais plus c'est lequel, lui. Oh, Caninos. Putain. Yes. Putain, il va être level 47. Putain, il a l'air très fort. Dur. J'ai dur. J'ai très dur. Là. Ah ben, Rhinocorne, le voilà. Et donc l'autre, c'était bien Rhinophéros. Par contre, ça me paraît étonnant, le gap là entre les Pokémon là-bas qui sont niveau 29 et là, ils sont niveau 45. Ça fait un peu mal au derche. C'est quoi ce Pokémon? C'est un... doit être l'évolution du... Ah non. Je crois que c'était l'évolution du serpent là, d'Ajahana là. Mais non. Ouais, c'est quand même sacrément grand à explorer. Hop. Un gros poireau. On a 20 cuisines pour le camping, on sait pas trop pourquoi le canard artichaut les affectionne tant. Putain, c'est vrai que j'aurais canard artichaut.
c'est le caillou au quart. Ah, Solarock. Ou Solaris de PoE, on sait pas, comme vous voulez. Après, ah, il y a machin, les lames là. Je sais plus comment ils s'appellent. J'aime bien ce Pokéfion aussi. Il est cool. Je crois que je l'avais vu dans, dans Ruby, je crois. C'était des conneries, on sait rien. De toute façon, vous m'insulterez évidemment en commentaire. C'est très important. D'accord. Allez, on va à la nouvelle ville qui a l'air bien stylée. Rendez-moi vos badges, je vous prie. Vous avez bien le badge plante, eau, feu, parfait. Oh putain, non! Un entretien avec le président Trimar. Tintin. Il n'y a pas l'air d'y avoir d'autres items. Oh, il y a un Rafflesia ici, quoi. Putain, la vache. Stylé. Allez, on en haut. Kikanam. Alors, on va devoir aller à gauche à mon avis. Kikanam. Ah, des fringues. Attention, on va avoir l'avis de Forgelune. Peut-être un dresseur de type dragon. Dragon. Monsieur le Président, je collecte les badges et les étoiles vœux avec diligence, je ne vous décevrai pas. Tu es toujours en short, putain. Sans nouvelle, Travis. Je vois que tu n'oublies pas à qui tu dois ta recommandation, c'est une bonne chose. Si je collecte suffisamment d'étoiles vœux, vous pourrez vous résoudre votre souci, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Ah, mon brave Travis. Il ne s'agit encore que d'un souci personnel, mais non. Il en va du destin de Galar. Il ne s'agit pas seulement de trouver les étoiles vœux. Il est primordial de trouver un dresseur qui soit au moins aussi puissant que le maître. Il n'a pas de pantalon à droite. Oui, non, il se balade comme ça. C'est le président de la ligue des Pokémon. Ah, l'esprit de compétition. De m'entretenir avec toi un instant, mais tu viens me suivre. Et il a une chaussette sur deux. Non, il a pas de chaussette. Au pied droit, il a rien. Et à son pied gauche, il a une espèce de chaîne, un bracelet peut-être, ouais. Full les mecs qui vont à la plage avec, hein. C'est un surfeur. D'ailleurs, il a la petite bedaine, hein, un peu comme moi. Tiens-tu la carte d'intérêt d'entendre notre conversation? Alors, comme tu le dois le savoir, les étoiles vues sont les mystérieuses pierres accrochées au poignet d'Inamax. Je suis désolé. Il est de Biarritz, il est surfeur. C'est vrai. Alors, remarque, il est peut-être des Landes, on sait pas. Mais transformer les Pokémon en géants n'est pas le seul atout. Okay. En elle sommeille une énergie incommensurable. Je viens d'avoir une merveilleuse idée, suis-moi jusqu'au stade. Je vais t'apprendre tout un tas de choses fascinantes sur l'énergie à Galar. Ouais, je peux aller soigner mes Pokémon avant, merci.
Non, les puristes, c'est type à Biarritz. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Tu as raison. Les vrais de vrais, ils sont là-bas. Numéro de Roy, c'est 241. Je me retrouve à chercher ce nom un peu partout maintenant, du coup. Oh. Je suis désolé. Le coup de fatigue. Ouais, 23h. J'aime voir Roy perdre contre Tarek. Ça le frustre, c'est trop mignon. Ok. Du plus faible au plus fort, oui, bah c'est logique. Des points de combat? Ce que c'est. Alors hop, des Pokéballs. Non, pas 11, 10. Bien. Super Ball, juste ce qu'il faut. Des super potions, on va en racheter aussi. Hop. 11 barres. Tu t'amuses à personnaliser ta carte de ligue et toi aussi, il y a tellement d'options, c'est dur de choisir. J'ai un pote qui se déguise en Pokémon pour faire des missions du Poké Service. C'est un ouf. C'est un ouf. Hein quoi? Non mais c'est pas moi, j'ai un ami, j'ai dit. Bien sûr. Kekanam, la ville dont les remparts se dressent toujours fièrement pour conter son histoire médiévale. Ah non, je m'en fous. C'est bon. Grelozen. Favorise l'amitié, d'accord. Il s'attachera à toi plus rapidement. Ah putain, on s'en fout. Oh là là. On s'en fout, la vieille. Ok. Ah, des plateaux repas dans le train, oui. Ouais, t'es trop petit pour aller dans les terres sauvages, c'est normal. Tu risques de te faire agresser par des mecs en vélo qui te jettent des saucisses. Ça sera embêtant. Donc à mon avis, c'est un... C'est un type dragon va visiter Windscore, si c'est l'occasion. Les touristes viennent du monde entier pour découvrir cette belle ville. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est donc que ça? Vivre, manger pour vivre ou vivre pour manger? J'ai choisi la seconde option. D'accord. Ah, c'est la gare, bah oui. Ça marche. Essayez d'acheter le dernier Pokémon du Pokémon Mag. Non mais c'est bon, je veux pas. Voilà. On se tire. Qu'est-ce qu'ils ont plus que moi les gens qui reçoivent une étoile? Oh non. Non, non, pas eux, putain. Laissez-moi tranquille. Ouais, bon, on va faire les maisons. On va visiter les apparts. Les baraques. Ah, on peut réapprendre celle qu'on a oubliée. Ah, c'est intéressant, ça. On va parler de la pluie et du beau temps. Ouais. D'accord. Merci pour ta chaude roche. Non, ta roche chaude. Vous voulez contacter une roche chaude dans votre région? Tapez
Chaude. Oh, 8, 11, 11. Ouais, capacité zénith, d'accord. Oh putain. Attaque des oiseaux chez toi. Tu les adores. Et tu gères une société de taxi, d'accord. Bah, j'espère que tu leur achètes ce qu'il y a de mieux quand même. Sinon, ça serait du foutage de gueule. Vu que tu te fais du blé sur leur dos. Bravo. Oh putain, judoka. Moi, c'est Simon Hobby. Et mon hobby, c'est le karaté. Ah bon? T'es comme Ryo Azuki. T'as un hobby, toi? Sinon, ma ceinture de combat t'impressionne. J'en tire toute ma force, tu sais. Tu m'as pas l'air de me croire. Tu veux que je te le prouve? Vas-y. Ya, yeah, montre-moi ce que t'as dans le ventre. Larry, Larry de Karateka. Un doudouvé, doudoubert. Vas-y, badabouin. Niveau 2. What? Il a esquivé l'attaque au niveau... ce bordel. Dans le machin, il est au niveau 2, il m'enlève 127 milliards de points de vie. Non mais what the fuck? Putain, il y avait une B en plus. Pas niveau 2 son truc, il y a un bug. C'est quoi ce bon? Alors mes techniques t'ont surpris, tu vois, je t'avais pas menti. Tiens, prends cette ceinture force. Alors, s'il a encore des tous ses PV, le porteur pour éviter d'être mis KO en un coup, ne conservera alors qu'un seul PV. Merci Karate Boy. Du coup, on va se régén. À bientôt. Alors, ah, les fringues. L'art, ça la dépasse. Ok. Alors, les fringues. Ouais. Ça, c'est important. Un peu de fringues. Alors, ah, des pulls à col rond. Putain, 8000 poké-dollars hein, pour un pull. Vous avez pas l'impression d'abuser un peu? Ok, une veste. Ouais, c'est pas ouf. Pantalon de survette. Pas de chaussettes, pas de chaussures. Ouais. Ah, d'autres casquettes. Des bobs. Tu veux un bob? Bon, les lunettes, on s'en fout. Putain, 12 000. Bon, bah, je suis désolé, hein, Forgeline, mais là, là, y a rien. Kirlia, trop bien. Hey, tout me va, alors je laisse quelqu'un d'autre choisir. Putain, c'est quoi ça? Une jolie paire de lunettes de soleil, ça peut te changer un homme. On rigole pas avec ça, il faut bien choisir.
Laisse béton. Alors, mais putain, je vais pas y arriver. Et c'est vrai, lui, il fait des combats. Colin, le barista. Cup Canaille et Charmilly. Putain, 37. Ça va être chaud. Merde. C'est des Pokémon normaux, ça. Paralysé, ça tombe bien. Non, pas d'incement, souplesse. Tincelle sur l'autre. Ça pique. Oh putain, c'est pas... Fait chier. Souplesse. Hop, terminé. Eh bah, bonne nuit Alta. Et puis à dimanche soir. Putain, ça va faire long là. Dimanche. Eh oui, pas de stream demain soir, non. Pas samedi non plus. Eh oui. Ouais, ce week-end, je suis pas là, donc... Enfin, je serai là, mais j'aurai du monde, donc je pourrai pas streamer. Donc... on verra ça dimanche. D'ailleurs, j'aurai pas le temps de jouer trop à Pokémon, d'ailleurs. À part vendredi soir, mais... On verra peut-être que vendredi il y aura un stream, je sais pas, je vais voir. Selon ma fatigue. Souplesse. Mais non, putain. Et toi, étincelle, Cup Canaille. Et sinon, bah, bon courage pour la semaine. Enfin, pour demain plutôt. Pour la fin de semaine, ça monte de partout. 34, 28, très bien. Du pognon. Un bol de jus de baie. Ok. 100%, restaure 20 PV d'un Pokémon. Putain, ça sert à rien ton truc. Le pire. Bah, bonne nuit également, Forge Lune. Et puis, bah, bon week-end. Puis, si tu trouves, si t'as des idées de jeu, mets-les sur ton Discord. Hein. Je te dirai si ça pourrait le faire ou pas. Ah, non, pas que le but, ok, s'il vous plaît. Oui, c'est raffiné, bien sûr. Il y a plus de 200 talents de Pokémon différents, il faut bien les connaître pour ne pas être pris au dépourvu en plein combat, évidemment. Hop. Super repousse, ok.
rendez-vous, mais tu t'es fait dégager. Pipipap, pipipoupap. Hop. Ok. J'ai fait le plein de chocolat. Capsule attaque plus, ok. Fonce, tritosaure, triture-lui la tête. Ah, item. Bande aux muscles. Capacité physique. Il y a du style Toxizap, non? Moi en tout cas, je trouve que oui, et j'adore en avoir un. Putain, Toxizap contre Togepi. Ah. Bah oui, je ne veux pas m'en séparer pour le moment. Rhinophéros contre Tritosaur. J'ai vu le type Pokémon, je n'ai pas l'avantage, mais j'ai plus d'expérience. D'accord. Tu connais la rumeur? Non. Quoi vraiment? Mais si, tu sais bien, il paraît que si on déclare sa flamme à son amoureuse en lui offrant un verre pomme, eh bien, le couple durera pour toujours. En fait, il y a une fille que j'aime bien. Déménager à l'étranger, c'est con. Non. Désolé. Ah putain, il y a les autres mongols sur le truc. Truc fusion. Ah, j'ai... Merde, si, merde, j'ai en badabou. Raquage apparu, ouais. Non, pour le moment, ouais. Je reviendrai. Donc on peut pas se barrer de là non plus. Donc en gros, on va falloir faire du pixing là, si j'ai bien compris. Ah putain, il y a un item là, je l'ai même pas vu. Des hyper potions carrément, ok. Ah zut. Hop, on va faire une petite save. Alors, un réacteur, ouais, carrément. Attends, je vais te montrer sur ma tablette. Putain. Tu vois, c'est simple d'expliquer comme ça, bien sûr. Par la tour du stade, puis on la transforme en électricité grâce à un réacteur au sous-sol pour alimenter tout Galar. Ah oui, là c'est costaud. Le mode de vie de notre société induit des besoins considérables en eau, gaz, électricité. Sans ces sources d'énergie, tout s'écroulerait. La mission de le conglomérat est de trouver le moyen d'utiliser la puissance des étoiles vœux pour améliorer le quotidien de chacun. Ah, voilà que je me fais tirer les oreilles par Liv. Il est vrai que leur tourne, je dois retourner travailler. Allez voir la salle des reliques. Et moi je veux bien, mais j'ai pas le droit d'y aller. Une boutique d'uniforme.
Oui, ce sera tout, merci. Sept badges. Ok. Eh oui, le bol masqué. Niveau bol. Merci, machin. Ah, donc ça, on y reviendra bien plus tard. On va retourner le truc. Ah, mais il y a Tarek. Tarek. Le champion des champions. Mais dis-moi, je suis inquiet. Qu'est-ce qu'il a, Nabil? Quand il m'a vu, il s'est excusé puis il a disparu. Mais pourquoi? Il a toujours eu horreur d'admettre qu'il était en tort ou qu'il avait fait des bêtises. Quand il était petit, ça lui ressemble pas. Est-ce qu'il aura un coup de déprime à cause d'une défaite? Il a perdu face à Travis. Ok, je vois. C'est plutôt bon signe. Il semble que les combats lui tiennent réellement à cœur. Il devient un grand dresseur, le petit frère. Pas tout, mais j'ai rendez-vous avec le président de la ligue. J'ai pas envie de me faire crier dessus par son assistante à cause d'un retard, donc je file. C'est pas où déjà? Putain. Contre Roy, mon meilleur ennemi. C'est lui le boss final du défi des arènes. D'accord. Non, bah tu vas déjà dans le mauvais sens, mon gars, donc c'est mauvais. Donc lui, ça sera le 8e. L'ultimate badge. C'est lui. Yo, t'es le dresseur recommandé par Tarek, c'est ça, t'as le comment déjà? Ah oui, Karzomir. Putain, le mec il regarde sur son tel et tout. J'avoue, si Tarek lui-même mis sur toi, c'est que tu dois plutôt avoir du potentiel. Mais si tu veux te frotter à moi, il va falloir d'abord que tu obtiennes 7 autres badges. Je suis pas venu pour combattre. T'as pour admirer le contenu, la salle à replier, je parie. Eh oui. J'étais à la bonne. Allez, entre. Ah oui, encore le judoka. Je te donne ma carte pendant que j'y pense. Est-ce que tu veux la mienne? Tu vois la salle des reliques, c'est en haut des escaliers. D'accord. D'abord, je voudrais te parler. Quelle était la ville principale de la région de Galar? Les travaux qui racontaient son histoire se trouve dans une salle située au haut des escaliers. Okay. Hop. Charme, c'était 29. Ok. Ah bah tiens. La waifu. Sonia. Je crois de devoir. Trop bien cette salle d'orlique. Regarde, cette tapisserie retrace toute l'histoire de Galar. Deux personnages contemplent une étoile veut. Une calamité survient. Les jeunes hommes ne savent pas quoi faire. Il découvre une épée et un bouclier capable de repousser la calamité. Les voilà sacrés, souverains et couronnés. Ok. La naissance de Galar en image, c'est mieux que dans les vieux livres d'histoire barbants. Dis, y'a pas un truc qui te surprend là-dessus? Bah, c'est deux mecs, non? Je crois qu'il y avait qu'un seul héros. Pareil, dans le hall de. L'hôtel de Motorby, il n'y a qu'une statue de héros. Et il n'y a pas de doute, il est seul. Mais sur la tapisserie, ils sont clairement deux. Que de mystère. Est-ce qu'il y avait un héros ou deux? Et c'était quoi cette nuit noire? C'est le double. Parce que, alors, écoutez, ça m'a aidé à mettre de l'ordre dans mes idées. Le mystère des tapisseries.
Ah, merci des rappels. Est-ce que là, non, je peux pas y aller. Truc à récupérer par là non plus. Ok. Les héros de galère quand un autre héros des temps modernes, c'est clairement Tarak. Et l'objectif ultime de tous les dresseurs, c'est de vaincre ce fameux héros. Mais toi, si tu veux avoir une chance d'y arriver, il va falloir te secouer. Prends la route 6 et entraîne-toi pendant ton voyage jusqu'à Holchester. Holchester. Non, je peux pas. D'accord. Là, je me barre. D'accord. Ah, les gugus sont barrés. On peut partir sur la route 6. Oh, il va pas bien. Pas moi je passe pas quoi. Ah bah Nabil. Allez, on les défonce. Il n'y a plus de respect. Ok, maintenant tu vas hurler dans ta... dans ton bordel. Alors quel level? 29, ça va. Même pas mal. Souplesse. Voilà, merci. Madame et Baby chute. Ok. Linéon. Je mettrais bien Bleuzaille. Oh, Toxisa buzzé, finalement. On verra bien. On va le changer. J'ai pas envie qu'il recrève comme un con. Faire un Bleuzaille. Hop. Un deuxième coup et c'est fini. À moins qu'il faut que j'affronte l'autre aussi.
J'aime pas les gamins, surtout ceux qui gagnent en combat. Évidemment. Ah d'accord. Mec qui veut même plus combattre. Il a craqué. Un Léopardus. Ok. Ça dégage. D'accord, il y a que lui. Tu sais que t'es vraiment relou. Aïe aïe aïe. Même pas. On dort encore tranquillement. En fait, on sert grave à rien, non. Je prends. Allez, on se tire. Grave, cassez-vous. Bande de malpropre. Et moi je suis juste beau à me faire rétamer par Travis. Enfin, je m'en fiche d'avoir perdu. C'est normal ça, il faut bien perdre à chaque combat. Aïe aïe aïe, il a du mal. Hein. Nabil il encaisse le choc. Mais il m'a dit que je faisais pas honneur à mon frangin. Et j'arrive pas à me sortir ça de la tête. Si ça se trouve, il a raison. Et si c'était la honte pour mon frangin que son petit frère se batte publiquement avec un niveau aussi lamentable? Je sais pas, je sais plus. Faut que je réfléchisse. A plus, Karzomir. Terrible. Ok. Salut, petit serpent. Longue vie à toi. Tiens, tiens, tu as des challengers sponsorisés carrément. Par Tarak. Ah mais c'est Sally. C'est une des championnes d'arène, non? Je crois que c'est ça. Je m'en rappelle plus par contre son type de Pokémon. Je ne sais plus. Bon. On va s'arrêter là pour ce soir. Hop. Je vais juste aller voir s'il y a des copains. Oh! Bah Dalio, comment tu vas? Mais bien sûr, je joue au Pokéfion. Bien évidemment. Bah j'ai attendu déjà la sortie de... d'épée bouclier. Mais ouais, ouais. J'y joue. Tranquillement. Comment tu vas? Ça faisait longtemps, dis donc. Oh! Ben tranquillou, par contre là tu vois j'allais arrêter mon pauvre, t'as pas de chance. Ah si tu veux t'as les rediff si tu t'emmerdes. Tu verras toutes les merdes que j'ai fait depuis le début. J'ai mis les rediff sur Twitch et sur YouTube. Sur YouTube il y a les deux premiers épisodes. Là je vais mettre le troisième et puis celui-là arrivera quand il arrivera. Mais voilà. Bon, comment ça va, toi? Ça roule toujours? T'inquiète, des fois, je regarde. Ah, parfait. C'est ça qui est bon. Hop. Allez. Pas trop mal. Bon. C'est déjà une bonne chose. Bah, si tu repasses à l'occasion, normalement, je fais du Pokéfion, là, tant que... Voilà, le temps de le terminer, donc là il y en a pour encore masse de temps. Hein. Et toi tes élèves sont gentils. Ouf.
plus Noël approche et plus c'est compliqué. Ah, les pires. Vraiment les pires. Mais bon, ça, il reste mignon. Il n'y a pas de souci. Mais ils sont quand même casse-couilles. Non, non, ça va, j'ai pas à me plaindre. Ils me kiffent bien et ils me font bien rigoler, donc c'est le principal. Et salut Bastien, putain, mais vous arrivez tous à la fin, les gars. Ah, c'est comme ça, de toute façon, t'arrives après de Noël, t'as les spots à la télé, les trois quarts, c'est hey, c'est bientôt Noël, c'est bientôt Noël, hey, c'est les cadeaux, c'est machin, c'est les trucs, c'est bidule. Donc, bah, forcément. Ils sont obnubilés par ça, donc vivement que la période passe, hein. Vivement qu'on soit en janvier et qu'on retravaille bien. Ma foi. C'est ainsi. Bon allez, je vais couper là moi. Je fatigue bien là en ce moment, donc je suis un peu crevé. Mais bon, ça va. Bah, je vous souhaite une bonne soirée les gars. On va aller host l'ami Kane qui fait du Summoner's Wars. Du jeu pas cool. Mais lui il est cool donc ça va. Allez, bonne soirée à vous. Bon courage pour demain. Bon courage pour le week-end. Et nous, alors soit on se retrouve demain, mais c'est pas sûr. Voilà, je laisse planer le doute. Mais sinon sur dimanche soir pour continuer Pokéfion. Voilà. Allez. Ciao. Bye bye.